tous, nouvel épisode de Phasmo. Aujourd'hui, on retourne à la prison. Et voilà. Retourne à la prison, c'est bon, on a fait des conneries, du coup, bah, on est incarcéré, tu vois. MDR, c'est trop marrant. Alors, tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais peut-être baisser le son, hein, sinon je vais me faire éclater. Nettoyer la zone avec un encens, s'échapper d'une chasse, et preuve avec le MF Thomas White. Thomas White. Il est où l'interrupteur? Il est à l'étage, ok. Ok. Thomas White, donc. Zebadi! Thomas, Thomas, where are you? Thomas, Thomas, where are you? Oh, j'ai pas pris les clés. Oh. C'est con cette mécanique de devoir prendre les clés. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que les gens comme moi qui les oublient tout le temps en ont à foutre de prendre des clés, putain. Pourquoi on peut pas juste ouvrir la porte? En plus, c'est la même clé à chaque fois. Tu vas pas me faire croire qu'elle ouvre toutes les portes de toutes les cartes. Bordel. Thomas, where are you? Thomas, where are you? Show us. Give us a sign. Show us. Thomas, show us. Where are you? Give us a sign. Je me rappelle plus quel fantôme c'était la dernière fois quand on avait joué sur cette map. Peut-être un démon, non, en vrai je sais plus. Si, ouais, je me demande si c'était pas un démon. Thomas, show us. Where are you? Give us a sign. Show us. Do something. Thomas, are you there? Donut. Je déteste ces portes. Thomas. Thomas, where are you? Give us a sign. Show yourself. Show us. Si je commence à l'appeler Donna, ça va pas le faire. Mais c'est le matin, mais on voulait pas aussi. Là. Ça c'est l'étage, l'étage, on ira voir plus tard. Thomas, where are you? Give us a sign. Show yourself. Are you in the douche? Are you a douche? Thomas, where are you? Give us a sign. Show yourself, show us. Where are you? Show us. Je vois, je vois. Je déteste ces portes qui font. Voilà. Oh, ah, hello. Salut Thomas. Where are you? Show us. Bon bah écoute, ça c'est fait déjà. Show us. Give us a sign. Ça va jusqu'où les températures glaciaires? Apparemment c'est plutôt vers l'entrée ici. On verra s'il y a des portes qui s'ouvrent plus tard. Alors on va peut-être pas voir plus tard, on va peut-être voir moins. Non. Il a pas de salle attribuée, il est partout en bas. C'est la merde. Where are you? Show us. Show us. Do something. Show us. Where are you? Where are you? Show us. Do something. Bon, il est partout en bas, c'est la merde. Putain. Ouais. Bon. Ça va être chiant. Au moins on l'a trouvé, c'est déjà ça. Mais s'il est dans tout le blocage, ça va être une galère, mon dieu. Il a l'air d'être partout en bas, donc ça va être vraiment une vraie galère. J'ai des températures glaciales à plusieurs endroits. Yes, on va s'éclater, comme des petits fous.
Bon. On va éviter d'allumer le courant. Ok, attends. Est-ce que avec les freezing ça peut être un jean? Non. On va aller allumer le courant. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ceci, cela ainsi que ceci. Ok. Peut-être un EMF, on verra. On verra, on verra. J'ai pas check ma santé mentale, tant pis. Ça aurait été important, mais fuck it, on va dire. Mettez mon petit collier en place. Donc, si je me souviens bien, le courant, il est à l'étage par ici. Dans la petite pièce en face de l'escalier. Parce qu'apparemment, il y a une pièce là. Donc, où est l'entrée? Elle doit être là. Où est l'entrée, s'il vous plaît? Mais attends, mais il y avait une pièce là. Mettez ça sur le machin qu'il y a une pièce là. Oh non. Mais c'est... Ah! Ça doit être là. Oui. Tu. On va redescendre. Et on va retourner au bloc A. J'aimerais bien trouver des petits interrupteurs. Histoire d'y voir un peu plus clair. Histoire que vous y voyez un peu plus clair également, parce que pour vous ça doit être assez terrible là. Y a-t-il un interrupteur quelque part? Oui. Oh là là, si ça c'est pas beau ça. Par contre, j'ai un problème, je crois que je l'ai entendu ouvrir des portes là au lieu de les entendre là. Du coup, j'ai peur. Et là, il n'y a pas une petite lumière qui part? Comment t'expliquer que c'est pas très accueillant? Le fait de me fermer la porte au nez, saloperie. Par contre. Ça risque d'être une galère. Ça risque d'être une grosse galère. Je pense que je vais faire plusieurs allers-retours, j'amène des caméras et des livres en vrai. Je vais faire ça. Parce qu'il est là aussi, il y a des freezing températures ici. Donc je. Ça se trouve, il est là aussi, tu vois. La galère. La grosse galère. Oh là là. Bon, heureusement, on a éliminé Jean et Revenant, du coup. Enfin. Il y a toujours le démon, possiblement, qui pourrait être très très chiant. Mais je pense pas que ça soit un démon, sinon il m'aurait peut-être déjà attaqué.
On va voir. Bon, ça peut prendre pas longtemps, comme ça peut prendre énormément de temps. On va voir. J'ai limite envie de mettre l'autre livre vers le dans la pièce juste avant les cellules. Putain, ça ressemble quand même vachement à des EMF5 tout ça. Ça serait quoi si c'est EMF5? Punchy fantôme. Ce machin là. Level 4, ouais, ça c'était un EMF5 en fait, je crois. Enfin, je sais pas, peut-être. S'échapper d'une chasse en sang, chasse 60%. Est-ce qu'on a déjà. Attends. Attends, est-ce que je peux voir s'il n'y a pas des orbes comme ça déjà? C'est calme, hein. Très calme. Freezing, ça c'était bon. EMF, il est là-bas. Ça et ça. Admettons que ça soit un EMF5. On va faire comme ça déjà. Si c'est un EMF5, donc c'est Banshee ou Fantôme. Donc, si c'est Banshee ou Fantôme, c'est quoi les derniers indices? Les empreintes, Fantôme, ce serait les orbes. Ok. Donc, pas du tout ce que j'ai en main. C'est pas grave. Oui, j'ai une petite lampe torche, c'est mieux. On y va. Oh, est-ce qu'il aurait pas coupé le courant d'ailleurs? Je suis en train de capter là. Petit filou. Tu es un petit filou, toi. Bah, je vais le réactiver. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, Thomas White? Oh putain, j'allais dire attends, il est là le fantôme, mais en fait non, ça c'est moi qui ai ouvert. Putain, t'imagines, il roame jusque là. Oh la galère. Bon, on va redescendre. Ça risque d'être un peu la galère quand même. J'ai envie de mettre un livre là. Après là, j'ai plus les. Si, je les ai encore. Nevermind. Putain, ça va jusque là les températures, hein. C'est. Elle est où ma spirit? Elle. Where are you? Where are you? Are you close? Where are you? Where are you? Where are you? Show us. Where are you? Give us a sign. Where are you? Are you there?
How old are you? Alors, Thomas, on va pas être super potes, toi et moi. Que j'aille voir ma santé mentale, vite fait. Je vais prendre une petite pilule. Je vais en profiter pour voir s'il n'y a pas des petits orbes. C'est rigolo, il est souvent dans le bloc 1. Hein. La dernière fois, il était encore. La dernière fois, il était. Oh, bah ça a marché le truc des échappées pendant la chasse. Il est complètement bugué cet objectif. Du coup, on peut prendre des pilules. On s'en balèque maintenant. La dernière fois, il était aussi dans le bloc A. C'est drôle. Hein. Caméra. Qu'est-ce qui me fait jeu? Putain, il est quand même vachement actif ce con. Et c'est pas évident hein, à trouver les preuves là. Enfin, je pense quand même qu'on a EMF. Mais pas sûr. Mais partant de ce postulat, ça voudrait dire que c'est soit les orbes, soit le spirit box. Du coup, j'ai déjà essayé comme ça, voir. Je vais en profiter pour bouger les livres aussi vite fait comme ça. J'ai vraiment pas vu d'empreinte. Là, il a retouché la porte. Faudrait que je recheck s'il a pas mis d'empreinte. Ah, donc il a ouvert là, mais il a pas continué. D'accord. Très étrange, le monsieur. Est-ce qu'il a écrit dans le livre? Où est le livre, justement? Ah, il y a. Non, le livre est 100% clean. J'aimerais bien recheck les UV aussi. On va recheck vite fait. Ça m'étonnerait que ce soit vraiment le... Ça m'étonnerait que ce soit les empreintes. Soit les orbes, soit la spirite. Je vous demande pardon. Attends. Il se passe quoi là? Oh. Il se... Attends, je rêve par contre où il a ouvert la porte là-bas. Non, ça va, j'ai rêvé. Ouf. Putain,
parce que s'il pop à l'endroit où je veux m'échapper, ça va pas le faire. Hein. Oh le bordel. Il joue avec des objets. Tu pourrais pas écrire sur le livre? Genre taper un bon coup dans le livre pour que je vois si tu... Hein? Ce serait pas mal. Where are you? Where are you? Are you close? How old are you? Are you friendly? Are you a child? Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Give us a sign. Show yourself. Thomas. Putain, il me fait peur. À chaque fois qu'il ouvre une porte, j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque. Bon. J'entends un lavabo. Non. Arrête. Arrête. C'est une blague. C'est une blague. Pourquoi? Non mais si t'es dans cette pièce, je vais péter un câble en fait, tu te rends pas compte? Il se rend pas compte le monsieur là. J'entends ouvrir des portes. Il fait mémuse. Ah putain, il faut que j'aille nettoyer avec un linceau. Ça va être galère aussi de trouver le spot précis où il est pour nettoyer à l'encens. Sympathique. Sympathique, sympathique. Ça, si c'est pas EMF frérot, qu'est-ce que c'est quoi? Si c'est pas un EMF5, qu'est-ce que c'est s'il te plaît? Après voilà, le seul problème, bah c'est que je sais pas encore si c'est Orb ou Spirit. Oh putain. Quelle galère. Quelle galère. Je pense qu'il va peut-être falloir que je check cellule par cellule en fait pour les orbes, c'est ce que je suis en train de me dire. Peut-être devoir être obligé de faire ça. Oh, ça va être la galère si je suis obligé de faire ça. Attends que je revérifie bien. Donc, si c'est EMF5, c'est fantôme ou banshee, d'accord. Fantôme, je crois que c'est les orbes et Banshee c'est Spirit, c'est ça qu'on a dit. Hein. Alors, Banshee, non, Banshee. Banshee c'est empreinte. Et fantôme c'est les orbes, pourquoi j'utilise la Spirit? Banshee c'est empreinte, ok. Ok. Que faire? Je vais prendre une autre pilule. Voilà. Je vais amener un petit encens. J'ai pas de briquet, hein, mais c'est juste histoire de prendre un item en plus. J'aurais pu ramener une troisième caméra en vrai, mais flemme. Est-ce qu'il aurait pas éteint le courant? Non. En vrai, c'est fumé les pilules de sanité quand tu joues en solo, hein. Putain. Surtout sur les grosses maps, du coup, vu que tu perds pas beaucoup. C'est complètement fumé. Oh, je me fais peur tout seul quand j'ouvre ces putains de portes. C'est un truc de malade.
Recheck les livres au cas où, les livres, il n'y a rien. Recheck les empreintes. Ramener avec un encens, enfin avec un briquet plutôt. Je vais laisser l'appareil photo là, comme ça je me ramène avec un encens et un briquet. Comme ça on en aura deux, ce sera pas mal. Je pense que c'est un fantôme. Il y aura un moyen plutôt efficace de le découvrir si jamais il se montre et que j'ai le temps de prendre une photo. Tu connais les bails. S'il prend en photo le fantôme, il sera pas sur la photo. Bon, ça va, sinon c'est plutôt tranquille hein, en vrai. Plutôt nice. En termes de fun en solo, je trouve pas que c'est les meilleures maps à jouer parce que tu dois te taper le gros aller-retour à chaque fois. Mais bon, ça va, ça reste sympa quand même. Ça reste cool. Il va vraiment falloir que je check cellule par cellule. Je pense. Galère. Allez, un petit orbe là, ce serait sympa. Au pire, de toute façon, je pense vraiment que c'est fantôme. Donc bon. Pas se faire chier. Là, ce qui me mettrait pas bien, c'est que d'un seul coup, bim, les lumières s'éteignent devant moi. ça ferait flipper quand même. Juste, il couperait le courant, mais bon, j'irais le rallumer tout ça, mais... Là, le plan de vue qu'il y avait dehors, où tu commences à rentrer dans le bâtiment, et puis avant que tu rentres, bah, bim, tout s'éteint. Bon. On va devoir l'embêter un peu. Je l'entends. Alors. Show us. Where are you? Where are you? Show us. Give us a sign. Show us. Where are you? Thomas, show us. Show us, where are you? Give us a sign. Show us. Show us, where are you? Where are you? Show us. Thomas. Where are you? Show us. Do something. Show us. Where are you? Show us. Do something. Show us. Show us, where are you? Do something. Give us a sign. Do something, give us a sign. Show us, where are you? Thomas. Where are you? Show us. Où ça? Merde. Là, mon pote, je pense que c'est Smudge. Ouais, là, ça a dû fonctionner. On va recheck les portes. Dans le doute. Je vais essayer de décaler les caméras.
Allez, ouvre-toi. Ah, c'est ouvert au max là. D'accord. Je déteste ce bruit de porte, c'est un truc de malade. C'est dommage, on a loupé l'occasion de faire une petite photo. Dommage, dommage. Show us. Where are you? Show us, Thomas. Where are you? Give us a sign. Show us. Show us. Where are you? Give us a sign. Show us. Ça marche, Thomas. Show us. Where are you? Bon. Là, si l'ensemble n'a pas marché, y a de l'abus. Putain, celui-là était plus compliqué à localiser que l'autre épisode de la prison. L'autre épisode de la prison, pareil, c'était Blocka, sauf que lui, il était en haut et seulement du côté gauche en fait. Enfin du côté gauche quand on rentre dans le blocage, je veux dire. Parce que du coup quand tu montes les escaliers c'est du côté droit, mais t'as compris. Là il a l'air d'être un peu partout en bas, du coup c'est un peu la galère. J'ai même pas check s'il était au fond d'ailleurs. Ça se trouve il est un peu au fond. On y voit que dalle. Je répète, on y voit que dalle. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Merde. Bon bah écoutez, je pense que c'est un fantôme. Vas-y, regarde, il nous remet un petit EMF là pour rigoler. Vas-y. On va le tenter comme ça. EMF, Ghost Orb, Fantôme. On va y aller. Voilà. Non mais. Croisons les doigts, croisons les doigts, croisons les doigts. Allez, croisons les doigts. Allez. Nice. Bon. Mais merci à tous d'avoir suivi la petite vidéo. Et je vous dis à prochaine. Je vous dis à prochaine. Ça roule? Vas-y, ça va être un nouveau single ça. À prochaine.